C'est une conférence de presse sans recteur qui s'est déroulée ce matin. Depuis le départ de Nicole Ménager début juillet, personne n'a encore pris la suite. Pas gênant pour le secrétaire général de l'Académie qui a parlé pendant une heure d'une rentrée sans problème. Dans l'attente de la nomination d'un recteur, donc l'Académie assure une rentrée réussie sur l'ensemble des priorités ministérielles. Et nous nous organisons de manière à ce que tous les élèves de cette Académie-là soient accueillis dans les meilleures conditions. Parmi les points abordés, il y a bien sûr celui du retour à la semaine à 4 jours pour les communes qui le souhaitent. Elles sont 65% à l'avoir demandé dans l'heure et la Seine-Maritime, ce qui représente 47% des écoles primaires. Toutes les collectivités, les communes ou les regroupements de communes qui ont demandé de bénéficier des nouvelles dispositions du décret, dans le respect des conditions du décret, à savoir la viabilité de l'organisation pédagogique au bénéfice des élèves, à savoir la disponibilité des transports scolaires. Lorsque ces conditions étaient réunies, bien entendu, ils ont bénéficié de ce retour à la semaine des 4 jours. L'Académie de Rouen est une bonne élève. L'objectif du ministre au sujet du dédoublement des classes de CP en réseau d'éducation prioritaire est totalement atteint. Et on a même fait mieux. Le dédoublement des CP en REP+ se fera dans l'intégralité des écoles de l'Académie. L'Académie est allée au-delà de ce dédoublement dans l'éducation prioritaire non renforcée. Au total, cela concerne 34 écoles en REP+, et 25 en REP. Enfin, en ce qui concerne le collège, 46 nouvelles classes bilingues vont être créées en cette rentrée. Quant à l'opération Aide aux devoirs, elle sera réellement mise en place après la Toussaint, car il faut d'abord recenser les collégiens intéressés pour pouvoir mettre en face les moyens adéquats.